Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on peut enfin tester Hyrule Warriors, l'ère du fléau, le nouveau Zelda. Il est là, mode normal, oui, on y va. Oui, c'est parti, mais c'est parti enfin, c'est le début du jeu. On va se faire kiffer, Hyrule Warriors, l'ère du fléau, 100 ans avant Breath of the Wild. Je suis hyper hypé, vous êtes hyper hypé, nous sommes hyper hypé. Il y a beaucoup trop d'électricité sur ce live, beaucoup trop d'électricité sur cette vidéo pour finalement un jeu vidéo qui va être exceptionnel, c'est tout, voilà, point. Bon, par contre, s'il est déçu, par contre, derrière, si je suis déçu derrière, par contre, ça peut être assez violent. Mais la hype est présente. On démarre direct avec une cinématique. Rouge. Merci. Ah oui, quand même, déjà, carrément. Ok. La façon dont ils ont fait ça, ça fait tellement vrai, ça fait film, ça fait tellement film. Oh, je suis sûr qu'il va y avoir un... On a rien. Ah, c'est le petit bébé. C'est le petit bébé. Il était là. Ce qui veut dire que le bébé est dans la... Il faut qu'on aille voir dans Breath of the Wild, hein. Il faut qu'on aille voir dans Breath of the Wild s'il est dans la tour, hein. Je dois protéger tout le monde. Oh, petit bébé. Bébé. Petit bébé. Oh. On est sur un retour dans le temps là. On est sur un retour dans le temps, les gars. Merci Vic pour ton sub. Merci beaucoup. D'un petit gardien qui remonte à le temps. Putain, c'est ça. Tous unis pour affronter grand feu. C'est ça, le petit gardien. Oh, petit bébé. Donc les gardiens peuvent remonter le temps. Comme ça, normal. Très bien, allons-y. Sortez-nous un amiibo du petit. Sortez-nous un amiibo du petit, en fait. Eh mais là... Ah, vert. Le mec il change de couleur en temps réel. Fin du jeu. Je suis à fond, hein. Merci Ilias pour ton sub, merci beaucoup. Bienvenue à toi dans la team des subs. N'hésitez pas à nous rejoindre en stream d'ailleurs, si vous suivez cette vidéo. Parce que c'est trop cool. Bleu. Roam Bosphoramus, souverain dressé contre la prophétie. Fiers et vaillants soldats d'Hyrule, le royaume est à présent menacé par un danger comme il n'en a jamais vu. Voilà déjà plusieurs années qu'une prophétie a annoncé la résurrection du fléau Ganon. Nous avons déterré les créatures divines et nos recherches sur les reliques ont bien progressé. Cependant, nous sommes bien loin d'être suffisamment préparés. Les monstres pullulent aux quatre coins du royaume, comme jamais auparavant. Les griffes de l'ennemi se rapprochent même du château d'Hyrule. Légèrement, ouais. Je confirme. Commençons par chasser les monstres qui infestent la plaine. L'armée, c'est chose bizarre. C'est la première étape de nos nouveaux préparatifs pour affronter le fléau.
courage, soldat d'Hyrule. Ah ! À présent, à l'attaque ! Oh ! Bah moi aussi j'ai l'épée de légende. Y'a pas de raison, moi aussi je l'ai. Alors, vas-y go. Vas-y viens là. Attends, qu'est-ce qu'il me dit? L'attaque standard, ok. Plusieurs attaques standard, X pour... Ok, attaque forte. La bagarre. Attaque spécifique. Ok, ZR. Ok. La chose coup fatal, ok, vas-y. Ouh, c'est texturé. C'est texturé quand même. Ah, j'aime bien le coup du niveau en bas à gauche aussi, on avait déjà vu. Baston. Oh, ce kiff. Ah, il est quand même beaucoup plus joli que celui sur Wii U, hein, y a pas de problème. Hein. Y a pas de problème là-dessus. Oh, et puis, truc, vas-y, action spécifique. Oh, j'adore. Je valide. Attends. Ah oui, d'accord. Excellent. Oh yeah. Ah, il y a le gyroscope, excellent. Pour ceux qui se posent la question, il y a le gyroscope, hein, voilà. Il y a le gyroscope, hein. Coup fatal. Oh yeah. Oh là là, oh là 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 là. Ah, je suis à fond, je suis à fond, je suis désolé, je suis à fond, hein. Je suis trop à fond. C'est stylé de pouvoir enchaîner les trucs, c'est hyper fluide quand même. Il y a des petits soucis de texture quand même, mais c'est hyper fluide. Oh, les petites vibrations dans la manette sympathique. Ok. Attends. Ok, ma caméra est pile au bon endroit en fait, c'est très bien. Du coup, ah oui, en appuyant sur le joystick gauche, vous pouvez changer la taille de la tête de la map. On va la laisser comme ça, regardez. Ok, après l'attaque forte suprême. Ah ouais. Oh la vache! C'est hyper fluide. Alors j'avoue que là... Ah pas mal ça. Ok, je vais tester. Attends, vas-y. Ah je trouve ça hyper cool. Verrouiller un ennemi puissant, ok. Vas-y, viens. Ah ouais. Il y a eu une amélioration de fou quand même. Il y a vraiment eu une grosse amélioration hein, comparé à celui sur la Wii U. C'est ouf. Hein. Ok, ça c'est l'effort. Donc là, c'est l'effort qu'on avait connu dans le premier Hyrule Warriors, mais version Breath of the Wild en fait. Ok, je vais essayer de libérer l'avant-poste quand même. Oh, ce kiff. Il y a toujours les cons. Oh, excellent! Attends. Regarde. Excellent ça. Attends. Attends, regarde. 1, 2. Hop là. Ah, je l'adore celui-là. Boum. Par contre, vas-y, tu m'as saoulé toi. Tu m'as saoulé. Gars. Pourquoi je peux pas le... Ok. Pourquoi j'arrive pas à le toucher? Bon, c'est pas grave, c'est pas ce qu'il me demande. On va avancer. Attends. Ah, ok, c'était celui-là. Regarde, il fallait vraiment que je l'esquive au bon moment, lui. Ok, je peux pas l'avoir sans l'esquiver, en fait. Je peux pas l'avoir sans l'esquiver, j'ai l'impression. Ok, c'est des esquives parfaites comme dans Breath of the Wild. Vas-y, viens. Vas-y, quand tu veux. Bah quand tu veux, hein. Quand tu veux, je t'attends. Bah quand tu veux, hein, on va pas se faire une dinette. Dis donc, je vous sers un petit café. Bah non. Mais non, je veux pas, non. Bien sûr que non. Alors du coup, je vais faire. Vas-y, go. Vas-y, on va s'avancer comme ça. Bah, pour avancer, c'est cool, ça. Boum. Allez, vas-y, mange ça. Oh là là.
Ah non, hyper, 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 hyper fluide. Ok, on est bon. On est bon là-dessus. Allez, cours, Link. Cours, Astérix! Ah, c'est un putain de défouloir. Mais de toute façon, c'est le principe des Musou, hein. Ou des Musou, prononcez comme vous voulez, parce que souvent on dit oh, ça se dit pas Musou, ça se dit Musou. Bah, tu dis comme tu veux, voilà. Tant que tu défonces des ennemis à l'appel, moi ça me va. C'est le principal. Ah ouais, non, mais t'imagines avec les gros, grosses unités sur les gigantesques zones là. Ça va être ouf, hein. Petit bébé. Et précision faite que vous garderez votre sauvegarde dans le jeu final, là. On précise quand même. Ah, ma petite Impa. Au secours ! À l'aide ! Ah, je l'ai pas eu, dommage. La tablette cachée, Sheka. J'ai beaucoup trop envie de mettre des miniatures. Je vais mettre plein de miniatures. Bah tiens, regarde, une des tours. Qu'est-ce que c'est? Oh, regarde-le. Oh, il est tellement mignon. Non. Je craque littéralement, Regarde-le, en plus il nous suit. Oh là là. Putain, mais moi je suis gaga moi aussi. Oh, 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 oh. Ah, pas mal ça. Waouh. Mais on est surpuissant en fait. On est vraiment ultra puissant, c'est un truc de malade. Quand même. Niveau supérieur, excellent. Je suis déjà au niveau 3. Ok. Attends. Ah, je le trouve trop mignon. Hein. Ah, j'ai l'impression de retrouver un mélange entre R2-D2 et Wally. Mais genre vraiment. Cryonis. Ah, bah, par contre, le Cryonis, quand t'es dans un truc comme ça. Hein. Je te jure, moi j'ai vraiment l'impression de voir un mélange entre R2-D2 et Wally. J'adore. Ah mais moi je tombe gaga devant un petit oiseau. Alors bon, ça compte pas. Voilà. Moi tu mets un petit oiseau qui chante devant moi, je suis content. Je m'émerveille de tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hein. Je suis comme ça. Je. Ah là c'est ma vie, je m'émerveille. Et j'aime ça, comme ça. Allez vas-y, bouffe. Même le petit oiseau qui va piquer dans ma cuisine. Oui bon, oui aussi. Oui parce que je vous ai déjà raconté sur les streams, voilà pour ceux qui sont avec moi en stream, parce que cette vidéo, on l'enregistre en stream, cette vidéo bien évidemment, manette en main, tout ça. Y a un oiseau qui, dès que j'ouvre la fenêtre de ma cuisine, vient piquer des trucs dans ma cuisine. C'est-à-dire que je ne peux rien laisser traîner, et même si je laisse traîner des trucs, il vient picorer. C'est terrible. C'est terrible. C'est une pie, c'est une grosse pie. Voilà, je le dis. C'est terrible. Mais même elle, je l'aime. C'est pas grave. Je l'ai appelé PewDie. En plus, voilà. PewDie la pie. PewDie pie. Voilà. Oui, je sais, c'est original. Oh là là. J'adore le jeu. Regarde, hop là, cadeau. Alors, avec le gyroscope, c'est vraiment sympa. Alors, R, A, pleine charge. Ah oui, d'accord. Ah oui, la paravoile, excellent. Oh là, excellent avec la paravoile. Et ils ont vraiment remanié même ça à ce moment-là. Oh, regarde ça. La vache. C'est incroyable. Même pour ouvrir les coffres, c'est plus fluide qu'avant. Parce qu'avant, les cinématiques d'ouverture des coffres dans Hyrule Warriors, elles étaient chiantes.
ça prenait du temps pour pas grand chose. Ça prenait vraiment du temps pour pas grand chose et il y avait toujours une petite cinématique, tu vois. Oh, Impa. Allez, vas-y, fais-toi kiffer. Vas-y, montre-moi Impa ce que tu sais faire. ZR, absorber une attaque de feu, tu vois. Oh, je valide. Excellent. Mais c'est énorme. Mais son gameplay, il est ouf à elle, en fait. Mais son gameplay, il est incroyable. Et on l'avait déjà dit lors des directs, mais... son gameplay est ouf. Il est oufissime. Genre, j'ai envie de jouer qu'avec elle. Regarde ça. Attends, regarde. Oh la vache. Ah oui, j'ai la baguette de feu du coup aussi maintenant. Excellent. Oh là. Mais c'est totalement validé pour Impa. Ah oui, du coup, j'ai les symboles. Je peux absorber des symboles. Vous avez vu qu'en haut à gauche, j'ai des symboles. Attends, on va tester un truc, regarde. Du coup, je peux gérer ça. Vas-y, boum. Et tirer. Excellent. C'est excellent. Ah, j'ai plus un. Qu'est-ce qu'elle a en attaque? Oh la vache! Et alors, cette petite téléportation, elle est incroyable. Oh la vache! Mais attends, mais son gameplay, il est tellement... N'hésitez pas à passer par le lien de la chaîne pour précommander le jeu d'ailleurs. Hein. Vous faites point d'exclamation Hyrule et vous avez le lien si vous avez envie de commander. En plus, ça aide de ouf. Donc n'hésitez pas, voilà. Et du coup, je peux absorber l'énergie et je peux lui rebalancer à la tronche après. C'est ça, en fait, je lui balance l'énergie et je le rechope après. Il y a une baguette de feu là-bas. On pourrait repasser sur Link aussi, mais on va rester sur Impa. Là, il y a du monde, là, il y a du monde, là, il y a du monde, là, il y a du monde. Vas-y, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, je peux faire ça aussi. Ah, je peux me servir des... je peux me servir des choses qu'il y a autour, en fait. À donner des instructions aux alliés. Ok, oui, bah ça, comme dans l'autre, ok. Ok. Alors, attends, du coup, je peux sélectionner Link, instructions. Ah, je peux vraiment le faire aller où je veux, en plus. Excellent. Ah, ouais. Ah, c'est validé, ça. Parce que, en fait, c'était dans le Fire Emblem Warriors, où on pouvait un petit peu demander à nos alliés d'aller à certains endroits, mais pas aussi précisément. Là, tu peux vraiment le faire aller où tu veux, Link. Ou même ton personnage, ou un autre, en fait. Pour vraiment contrôler le champ de bataille. Ah oui, ok. Putain, c'est tellement fluide que la caméra, elle arrive d'aller mal à suivre des fois. Oh, absorber le signe. Vas-y, pas de boum. Pouh. Oh, mais je... J'arrête de m'extasier, mais en vrai, je suis en extase, j'adore.
je valide tellement. Vas-y, on ramasse tout. On récupère la baguette de feu peut-être. Attendez. Link est en train de se battre tout seul là-bas. Attends, on va envoyer Impa se battre ici. Et on va récupérer Link quand même. Il y a le sorcier de feu. Et on va faire ça et on va changer de personnage. Et le changement c'est pareil, il se fait hyper vite. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de chargement ou quoi que ce soit. Tu passes de l'un à l'autre sur le champ de combat hyper vite, c'est trop cool. Vas-y. Boum 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 boum. Vas-y, boum boum boum. Attends. Vas-y. Cryonis. Je peux pas. Oh vache. Boum. Vas-y, coup fatal. Oh, ça va être un défouloir, ça va être incroyable. Et puis en plus avec l'histoire qu'il va y avoir derrière, ça va être génial. Ça va être ouf. Parce que là effectivement on fait beaucoup de combats, mais il va y avoir toute une histoire aussi évidemment, tu vois. Ce n'est pas que ça. Même si c'est beaucoup du gameplay, tu vois. Ah, ok, on est bon. Vas-y. Vas-y. Je peux pas utiliser Cryonis, évidemment. Attends, vas-y. Vas-y, bon, balance. Vas-y, cadence. Vas-y, boum. Allez, cadeau, messieurs, dames. Ah, c'est pas mal, ça. Vas-y, coup fatal. Ok, oh le coffre il est beau là. C'est génial qu'ils aient changé les coffres dans le jeu. C'était tellement relou de passer 15 ans à ouvrir chaque coffre. Là c'est vraiment chouette. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Les améliorations sont vraiment notables. Et pour plus de fluidité, plus de rapidité. Merci Nkorg pour ton sub. Merci du fond du cœur, merci d'aider la chaîne. Ça aide de ouf la chaîne, merci à toi. Ça m'aide à vivre, donc merci à toi, Nkog. Merci beaucoup. Et bienvenue à tous ceux qui follow également en même temps. Ce chevalier a vraiment été héroïque. Il a bien hérité une fonction officielle. Oh, regarde-le. Bataille de la plaine d'Hyrule, victoire. Ok, voyons voir comment ça se passe derrière. Alors, j'ai un solde de rubis derrière ma caméra, juste ici. Donc niveau 3 pour Link, bientôt niveau 4. Bataille terminée, 13 minutes 21. KO 875, on a chopé 653 rubis. Ok. Ah super, on a pris de l'expérience à la fin également. Et là, on a récupéré des nouvelles armes. Ok. Donc elle, pareil. Ah oui, on a récupéré masse de choses. C'est quoi ça? Certificat Bokoblin. Un certificat remis par la famille royale qui a vaincu un certain nombre de monstres. 798, ok. Excellent. Ah, c'est vraiment le Breath of the Wild, quoi. Réorganisé. Boom. C'est Breath of the Wild version machin. On le savait, mais je veux dire, maintenant qu'on le voit encore plus tourner, clairement, ça fait vraiment du bien. Ah, ils ont tout gardé. Vas-y, je m'enlève. Un mystérieux gardien. Une mystérieuse tour. J'ai beau réfléchir, je n'y comprends rien du tout. Mais qu'est-ce qui lui prend? Hé, attends-nous! Soldats, vous avez fait du très bon travail. Oh. Regarde ça, mec, il est pas jeune, c'est exceptionnel. Ah, Zelda. La belle Zelda. Ah, te voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un bisou sur la joue, hein? Les DS soient loués. Oui, votre Altesse. Je vous apporte la tablette Sheikah de la part de Kua. Oh. Tout le temps que vous passerez sur cette démo, vous le garderez dans le jeu d'après. Pour info. Votre Altesse. Il est tellement chou. Je suis désolé, mais je le trouve tellement mignon. Le gardien avait projeté un message sur la tablette Sheikah. Il y a... Ah, il peut parler. Qu'il avait remonté le temps depuis le cœur même du fléau afin de sauver Zelda.
pas. Ok. J'aime bien qu'ils aient remis le voyage dans le temps dans Zelda. C'est génial. Pour moi, c'est mes scénarios préférés. Mes scénarios préférés. Ainsi que la tour qui était soudainement apparue dans la plaine. Pour moi, c'est les meilleurs scénarios possibles. C'est les voyages dans le temps dans Zelda. J'adore. Link to the Past, Ocarina of Time, enfin, tout en fait. Tout. De toute façon, le temps a toujours joué un très 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 grand rôle dans le lore de Zelda. Link, chevalier Ilien, je t'ordonne de protéger cette mystérieuse tour apparaître soudainement. Elle sera un précieux avant-poste pour nos combats. De plus, merci Nicolas pour ton sub, merci du fond du cœur. Tu devras déterminer avec l'aide des chercheurs s'ils pouvons avoir confiance dans les pouvoirs du gardien inconnu qui a voyagé dans le temps. Puisse la déesse Ilia veiller sur toi. Ok, donc ça c'est le roi qui nous dit ça. Donc on est vraiment... Ah, ça va être la carte, on va voir. Excellent. Link, chevalier d'Hyrule. Yes, c'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Magistrat, là oui, évidemment. Oh là là, ce petit bonheur... Waouh, c'est quoi tout ça? Alors attends, carte d'Hyrule. Utilisez la tablette Sheikah pour sélectionner votre destination. Résoudre vos problèmes à travers le royaume permettra de faire progresser les membres de votre équipe. Ok. Donc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Un bon repas chaud. Pour devenir fort et le cristal de bien s'alimenter. Atelier d'escrime. Ok. Et là, on a quoi? Lueur familière au pays des neiges. Et bah oui, donc chaque région. En fait, vous voyez, chaque région a une jauge très certainement de liberté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Chapitre 1, Link, Impa, plat. Un bon repas chaud. Donc c'est quoi ça? Voulez-vous livrer les matériaux? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des missions, externes en fait, des missions secondaires durant le jeu. Ok, bon repas chaud, très bien. Capacité à cuisiner des plats débloqués, recette de la viande vapeur. Excellent. Et là, du coup, voilà, le centre d'Hyrule augmente en termes de contribution dans chaque région. D'accord. Ok. Ensuite, alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? On a également ceci. Là, il nous faudra d'autres éléments qu'on n'a pas encore. Merci, Antis, pour ton sub. Merci énormément. Matériaux requis. Atelier d'escrime. Pour enseigner l'autodéfense face aux monstres. Et là, ça nous donne un nouveau combo pour l'épée. C'est la récompense. Ok. Merci beaucoup, Antis, pour ton sub du fond du cœur. Merci beaucoup. Ok, donc là, on va avoir un nouveau combo. Excellent. Et je préfère cette manière de débloquer les choses plutôt que du précédent Hyrule Warriors. Alors, ensuite. Là, c'est quoi? Les matériaux nécessaires. On les a tous. On les va livrer, tout ça. Ok. C'est une force nouvelle. Impa, donc cœur max plus 1. Très bien, donc là elle chope un cœur en plus. Très bien. Là qu'est-ce qu'on a? Là je sais pas ce qu'il faut. Donc eh ben, on va partir pour un combat. Parce qu'on n'a pas le choix. Se mettre en route, vas-y. Session équipe, vous pouvez choisir l'équipement des personnages de votre équipe. D'accord. Ah, voyons voir. Alors plat. On va prendre ça. Dégâts affligés plus 5%. Excellent. Ok, donc ça veut dire qu'on met ça pendant la mission. Ok, donc ça veut dire qu'on aura plus 5% de dégâts. Et là, je peux gérer l'équipement de chaque personnage. Attends, chaque arme a son niveau d'expérience. Faire force, hein. Bah, la meilleure, c'est la 17, hein. Attends. Ok. Et je peux également m'équiper de certaines tenues. Oh, c'est énorme, ça. C'est hyper complet. C'est hyper, hyper, hyper complet. 17... Ok. Attends. C'est vraiment hyper complet comme truc. Ok, elle a pas de tenue différente. C'est la seule tenue qu'elle a. Ok, et bah c'est parti. On s'en fout, on fait un premier gros épisode pour ce Hyrule Warriors. Même si le premier épisode fait une heure, c'est pas grave. Cet étrange gardien, Zelda, accompagné de Link et d'Impa, se mit en route vers le laboratoire antique où les attendaient Prua et Pharas. Mais j'attendais la suite. J'attendais la suite. Ah oui, c'est du bon gros teasing quoi. T'as l'impression de voir les titres de mes gaming news. Zelda arrive. Mais
Trois petits points. Clique pour savoir la suite. T'as l'impression de voir des gaming news. Clique pour savoir la suite. Mais, trois petits points. Allez, vas-y. C'est insane. Vas-y. Petit chargement. Bon, après, les missions sont longues, donc au final, c'est pas si embêtant. Pour les chargements, c'est pas choquant. Je suis fan du petit gardien. Qu'est-ce que tu es au juste, hein? Mais comment on peut ne pas tomber amoureux du petit bout là? J'imagine que tant que Pharas ne l'aura pas analysé au laboratoire, on n'en saura pas plus. Vous avez raison. Oula. Oh, ce style. Link, ça c'est un homme. Ça c'est un homme qui défend sa princesse. Et voilà. Ah, c'est la merde. Et maintenant, voilà des monstres. C'est Adeline Chetaille qui fait la voix de Zelda, je crois. Je trouve sa voix tellement parfaite. Genre, à chaque fois qu'elle fait un doublage, je suis vraiment fan. Je crois que c'est comme ça se prononce son nom de famille. J'aime beaucoup cette doubleuse. Et pourtant, je suis pas fan des versions françaises, vous savez. Hein. Et des Zelda à fuir, ouais, je sais. Vas-y, mange-toi les bombes dans les fesses, toi. Attends. Allez, boum. Oh, la petite esquive parfaite. Tiens, regarde. C'est un cadeau. Et les bombes. Allez, coup de faible. C'est parti. Boum. Allez, salut. Je sais pas pour vous, mais moi, je préfère la minimap comme ça, en bas de l'écran. Parce qu'en fait, vous avez plusieurs choix. Il y a celle-ci. Qui est assez resserré. Vous avez celle-ci. Et. Enfin, vous avez les deux là en fait. Vas-y. Et moi je préfère la version globale. Ça permet de voir plus. Je préfère. Allez, on avance. C'est parti. Attends, un niveau supérieur pour Link. Ah, j'ai Polaris aussi. Sérieux? Ah, je peux pas l'utiliser pour l'instant. Enfin, là, on va essayer après. Alors, dès que je le débloque, je le fais. Ah oui, il a une voix très très douce et clairement. Attends. Fais voir. Ah oui, c'est là. Attends. Ah oui, du coup, avec le. Excellent. Pas mal. Ah, il y a Impa qui est avec moi. Vas-y, on avance. Il y a du monde. Oh, du people. Ah, oh, pas mal ça. Oh, j'adore. Mais en fait, ils ont vraiment tout gardé. C'est un truc de ouf. Vas-y. Maintenant. Oh là 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 là. Sorcier des glaces, vas-y. On va récupérer sa baguette après. Attends, vas-y, balance tes bombes là. Viens ici, reste ici, reste là. Bouge pas. Reste là. Vas-y. Reste ici, reste là. Vas-y, balance les bombes dans sa tronche, vas-y. Allez, salut. Vas-y, achève-le. Oh yeah. Quelqu'un a récupéré la baguette ou pas? Vas-y, bombe. Les bombes, elles sont ultra puissantes en fait. Elles sont vraiment ultra puissantes. On va prendre Impa. Apprends Impa. Parce qu'elle est vraiment tellement incroyable. Oh
Eh, les animations, elles sont vraiment au poil. Hein. Ah ouais! Fort! La vache! Ouah! Mais attends, mais Impa, mais elle est toute pétée! C'est incroyable! Mais attends, Ah, moi, ça me dérange pas, mais elle est quand même ultra puissante! C'est un truc de fou! Quand je vous disais dans la. Ouah! Quand je vous disais dans le. Dans la. Dans les Nintendo Direct qu'elle avait l'air ouf, bah oui, clairement. Ok, faut qu'on fuit le gardien en fait. Ok, je peux pas l'attaquer, il faut fuir. Faut absolument fuir, on peut rien faire d'autre. Ah puis le gardien, il est pas. Il est ouf. Enfin, on le voit derrière sur la carte. Ah oui, je peux accélérer. D'accord. Attends, je peux récupérer tout ça? Faut vraiment que je les récupère en plus. Ah oui d'accord, tout est collectionné automatiquement, c'est cool. Bon, tout est collecté, pardon, automatiquement, ça c'est bien. Ok. Ok, les viscères de Bokoblin, on avait besoin pour la mission. Ouah. Non. Ok, c'est bon, j'ai réussi à l'esquiver. De toute façon, il faut fuir. Vas-y, go. Le jeu sort en novembre. Ouah, j'ai plus de vie. Mais what? Mais comment il fait mal? Link, 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 casse-toi. Vas-y, Link, on se casse. Et vous avez le point d'exclamation Hyrule, si vous voulez le commander, d'ailleurs, sur le chat du stream. Faites point d'exclamation Uril, le tout collé, et vous pourrez commander, enfin vous aurez le lien pour le commander, et ça aide la chaîne si vous passez par là. Et sur YouTube, quand il y aura la rediffusion, ça sera dans les dans le commentaire épinglé. La même chose. J'aime tellement. J'espère qu'il y aura des poules dans les villages. C'est vrai que ça serait génial. J'avoue que ça serait cool. J'avoue que s'il y avait des poules dans le village, ça serait génial. Ah, c'est un camp ça? C'est gigantesque. Ah oui, d'accord. Wow. Oui, il y a du monde là-haut. Attends, il doit y avoir un gros ennemi en haut là. Comment je monte? Comment je grimpe? Ah, il y a une échelle. Je peux grimper à l'échelle ou pas? Non, je peux pas. Non, je pense que tu vois, je voulais essayer. Vas-y, cadeau. Ah si, c'est là, ok, si, si. Là, je me... Ouais, ok, d'accord. Okay. Allez, vas-y, j'utilise la baguette de feu tout à l'heure. J'avais encore. Tu sais qu'il est à l'étage, le truc? Ok, je suis passé au niveau supérieur avec Link. Ici, vas-y, go. Attends. Tiens, cadeau. Cadeau mon ami. Ok, super. On est bon. Ok, go, go redescendre. Go aller par là. C'est quoi, c'est une baguette de quoi? Ah, les Linol, ça va être trop bien à voir. Je sens que les combats vont être ouf. Linol, Linol, je sais pas comment vous dites. Moi j'ai toujours dit Linol, mais on m'a dit que ça se prononçait Linol. Alors mais à chaque fois il y a toujours des gens qui prononcent pas pareil que nous, tu vois. Et non, faut prononcer comme ça. Oui bah on le bat quand même, on lui défonce sa tronche, voilà. Linol, Linol. Au final, quand on lui pète la tronche, c'est pareil. Allez vas-y, tiens, boum.
Ok, c'est parti. Oh, il y a du people là. Attends. Attends, bouge pas. Tiens, regarde. Wow. Vas-y, on va le viser lui. Oh, c'est parfait ça. Oh, les esquives parfaites, elles sont magnifiques. Attends. Ah punaise, je voulais faire le... je voulais faire ça et je l'ai craqué. Je l'ai vraiment craqué. Je l'ai complètement craqué. Ah, il faut vraiment que j'apprenne les touches différentes avec ça. Voilà, bah, super. Ça donne quoi pour l'instant? Il est parfait. Il y a toutes les améliorations à faire par rapport à Hyrule Warriors de la Wii U ont été faites. Donc en fait, il est juste parfait. C'est juste ce qu'on voulait. Il est juste nickel en fait. Soyons francs, les améliorations des coffres qui sont plus rapides à ouvrir, il y a plein de compétences dans tous les sens, adaptées à chaque personnage, comme dans le jeu. Enfin vraiment, c'est incroyable ce qui a été fait. C'est vraiment incroyable. C'est du très très bon. C'est du très 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 bon. Ah oui quand même. Ah quand même. Ah t'es chaud Link. Ah oui je me disais, il a forcément la paravoile. Il est chaud lui. Tu sais que j'avais complètement zappé qu'il avait sa paravoile. Ok, activer les gardiens. Putain, je voulais activer le gardien. C'était pas là-haut. C'est lui là. Ah oh, punaise, il fallait que je reste là-haut. Comment je l'active? En fait, je me suis planté de chemin. Je me suis planté de chemin, je pense. Par contre, celui qui est en haut, je sais pas comment le faire. Je sais pas comment je vais le choper. Est-ce qu'il faut que je récupère les trucs ou pas? Attends, voyons voir. Ah, il y a mon petit bout qui est là. Si, en fait, il fallait que je passe. Attends. Ah, parce que là, il y a un truc, attends. Ah, ok, c'était là. Ah, c'était ici, punaise. Ah ouais, mais j'ai chié dans la colle. J'ai chié dans la colle. Ok. Ah ouais, il s'appelle Petit Bou. Il s'appelle Petit Bou direct, tu vois. Bonjour. Mais tu sais, ils sont en train de dormir, eux, tranquille. Vas-y. Si j'utilise le pouvoir de la tablette Sheikah, je pourrais combattre avec vous. Avec plaisir, Zelda. Bah, si tu pouvais nous aider, ça nous arrangerait, en fait. Zelda. Ah, bah merci, enfin. Putain, on peut contrôler Zelda, putain. On peut contrôler Zelda, mais ok, quoi. Mais c'est un truc... Bah évidemment que dans Breath of the Wild 2, on va contrôler Zelda aussi. Évidemment. Oh mais je valide tellement fort qu'est-ce qu'elle a comme attaque. Ah oui quand même. Mais... Mais elle est ouf! N'approchez pas. Je vais passer le premier épisode à ne dire que ça. C'est truc de dingue. Je vais passer mon temps à ça parce que en fait c'est ouf. De cette attaque. Il est où? Il est où? Là. Tiens, regarde. Vas-y, viens. Viens, mon ami.
Oh, punaise, t'es sérieux toi? Tiens, cadeau. Hop là, boum! Salut. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ça. Ok. Allez, j'ai lui le cul là. Ah, j'ai lui le cul. J'arrive pas à l'avoir en... J'arrive pas à le choper, en fait. Okay. Ah, énorme! Énorme! Mais ça n'a aucun sens! Mais what? Mais what? Non mais s'il te plaît, c'est... Il y a un moment. Je suis fan de ça. Regarde ça. Mais regarde ça. J'adore cette attaque, elle est incroyable. Cette attaque, elle est incroyable. Cette attaque, elle est incroyable. Putain, on récupère tellement d'objets. On va faire son attaque suprême là. Non, pas tout de suite d'ailleurs, on va attendre un peu. Attends, tiens, cadeau. Mais ça, mais c'est tout pété ça. Regarde ça, regarde ça. Oh si, vas-y, vas-y, fais-toi kiffer. Mais... Vas-y, on prend la baguette. Vas-y, fais-nous kiffer. Boum. Allez, boum. Et cadeau. Boum. Attends, regarde. Tiens, regarde. Hop là. Et cadeau. Mes baguettes. S'il te plaît, c'est insane. Là-haut, il est là-haut. Yes, il est là. C'est l'autre, le dernier activé. Vas-y. Par contre, on récupère quelques rubis, succès. Ok, la tirer prudemment dans notre périmètre. Le gardien est prêt à attaquer. Ok, il faut que je la tire. Changer de personnage. De saut mural en plus. En fait, tu peux vraiment utiliser les environnements pour. Ok, il faut que j'aille le chercher. Attends, il est où? Ok, il faut que j'aille chercher le. Attends, je prends le Link. Link, c'est avec Link qu'il faut l'activer. Il faut que j'attire le gardien, en fait. D'ailleurs, c'est bon, il m'a vu. Il m'a pas vu. Ok, c'est bon, il m'a vu. Oula, 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 calme-toi. Oh, je vais mourir, attends. Vas-y, mange une pomme. Mange une pomme. Mange une pomme. Mange une pomme. Ça va te faire du bien. Vas-y, hop là, petit skate. Hop là, 1, 2, petit skate. 1, 2, petit skate. Ok, c'est ici. 1, 2, petit skate. Ah non, c'était pas là. Waouh, 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 waouh. Ok, c'est bon, on l'a eu. On l'a eu. Allez, vas-y, tire-lui dessus. Bouh. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Éliminer le gardien, t'inquiète, on va l'avoir ton gardien. Vas-y, 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 vas-y. Ok, on y est presque, on y est presque, on y est presque. On y est presque.
Allez, boum! Il est presque décédé. Allez, encore un peu, des bombes. Allez, il y est presque, on y est presque, on y est presque. Ouah! Allez, on y est presque, allez, allez! 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 Pouh! Et ouais, mon gars, laisse tomber. Et salut à ceux qui débarquent sur le stream, bienvenue! Mec, dans l'abus total. Petit bout. Alors, bataille terminée. 300, 141, 17 minutes, ok. On n'est pas trop mal. 14, c'est pas top. 17, on en a une autre. Ok. Eh, excellent. Excellent, ça. Alors, pas mal de petites pièces supplémentaires. Des nouvelles recettes obtenues, excellent. Excellent, on va aller voir un petit peu. Petite cinématique, non? Évidemment. Il utilise une énergie antique et une technologie encore inconnue. En d'autres termes, ceci est un type de gardien tout nouveau comme je n'en avais encore jamais vu. Alors lui, sa tête, s'il te plaît. Sa capacité à amplifier la puissance des reliques comme la tablette Sheikah n'est qu'une application de cette technologie. Je vois. C'est pour ça que même nous, avec la tablette Sheikah, nous avons pu. Sa tête est incroyable. Il renferme aussi une quantité d'informations. D'informations. Dépassant de loin les limites de notre imaginaire. Sa tête est géniale. Coucou! Whistiti! Elle, je ne l'aime pas. Désolé, je ne l'aime pas. J'ai essayé de récupérer quelques-unes des images enregistrées dans ce gardien. Oh, mais c'est... Oui, ça ne fait aucun doute. Ça ne peut être que le château d'Hyrule. Je sais pas pourquoi je l'aime pas trop, je sais pas. Elle me revient pas, tu vois. Même si nous avons pu en extraire des informations. Ouais, je sais pas. Je l'aime pas. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, c'est que elle m'est, tu vois. Si je pas. Continue à les analyser, je pourrais peut-être en apprendre davantage. Voilà donc ce qu'il adviendra de notre royaume quand renaîtra le fléau. Si cela devait se. Ah oui, il a ramené les photos du futur du coup. Nous ne pourrions plus rien faire pour Hyrule. J'ai peur que les mesures que nous avions envisagées jusqu'ici ne soient pas suffisantes. Non mais d'accord, on prend des photos du futur et on revient, genre en mode tranquille. Très bien. Sceller le fléau. Et vous avez remarqué quand même que les accessoires que l'on met sur Link arrivent aussi dans les cinématiques. C'est quand même assez incroyable. À mesure de sceller le fléau Ganon, il allait falloir réunir la lame purificatrice. Le pouvoir du sceau que possède la princesse d'Hyrule, ainsi que la puissance des quatre créatures divines qui avaient été déterrées aux quatre coins du royaume. Mais la forêt Korogu, où repose la lame purificatrice, était tombée aux mains des monstres, tandis que le pouvoir de Zelda, la princesse d'Hyrule, ne montrait aucun signe d'éveil. Préoccupé par la situation, le roi décida qu'il fallait au plus vite réunir les pilotes des créatures divines. Il dépêcha, auprès des candidats choisis parmi leurs peuples respectifs, sa fille Zelda et Link, promu chevalier servant de la princesse, suite à la bravoure dont il avait fait preuve. Comptez-vous vous promener partout avec cette relique suspecte ? Oui. Elle est trop mignonne. Il s'appelle Petit Bout, ok? Oui. Après en avoir discuté avec Proa et Pharas,
Nous avons jugé que c'était préférable. Je ne vous le dirai qu'une seule fois. Votre devoir doit être votre seule et unique priorité. Est-ce clair? Je suis consciente du rôle que j'ai à jouer, père. Je le remplirai sans faillir. Il s'appelle Petit Bout. Donc déjà, vous allez l'appeler comme ça. Ça suffit maintenant! T'inquiète pas, Petit Bout. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. Bon, là, là. Mais c'est incroyable, ça. C'est fou quand même de donner si peu d'importance à une si petite créature toute mignonne. Enfin, je veux dire... il ne demande que de l'amour, il ne demande qu'à être aimé, finalement. Il ne demande qu'à être aimé, c'est tout. C'est tout. Oh là, il y a du monde, il y a du monde. Waouh. Calmez-vous, en fait. Les pouvoirs du gardien venu de l'avenir ont ouvert l'accès à des champs de bataille dans une autre dimension. Hein? What the fuck? Les batailles et missions Hyrule peuvent être affichées sous forme de listes séparées. Ok. Ah oui, d'accord, donc on va dans une autre dimension. Mais allons-y, mais allons-y! Mais bien sûr! Évidemment! Oh, regarde-le! Regarde-le! Attends, quoi? Attends, je voulais être d'avocat, on l'a vu. On l'a vu. Musculation pour les forgerons. Accès à la guilde des forgerons d'Hyrule. Vas-y. Je te fais ça. Ah mais il y avait le petit bout sur la carte. Vous avez désormais accès à la guilde des forgerons. Fusionnez d'autres armes avec votre arme de base pour reforger cette dernière. Ouais, ça on connaît. Regarde-le, regarde-le. Entrez. Alors, fusionnez des armes. Voyons voir. Link. Du coup, fusion d'armes. Fusionnez d'autres armes avec votre arme de base pour augmenter le niveau et la puissance d'attaque de cette dernière. Donc, on prend celle-ci et on va la fusionner avec... Bah ça, voilà, vas-y. Oui, je paye. What? Carrément. Niveau 28, s'il te plaît. Je la fusionne avec tout ce qui reste, vas-y. Vas-y, fais-toi kiffer, fais-toi kiffer. Vas-y, oui, oui, vas-y. Allez, vas-y, encore, encore. Non mais, c'est tout pété. C'est tout pété ce qu'on est en train de faire. Évidemment, évidemment. Ok, très bien. Bon, les autres, on verra plus tard. On peut vendre des choses aussi, mais je vais pas vendre des trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça c'est quoi ça? Coup de pouce à l'innovation. Nouveau combo pour la tablette Sheka. Carrément. Vas-y. J'ai réussi. Merci. Ok. XX, XX. Ok. Ça c'est quoi? Nettoyage de l'étang. Donc ça c'est pareil. Ça c'est une mission. Ça c'est une mission à faire. Ah oui, voilà. Nouveau combo pour l'épée à une main. Vas-y. Yes. Ok, Y, 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 ok, d'accord, il faudra qu'on essaye. Là, j'ai toujours pas les ingrédients qu'il faut. Là, j'ai pas ce qu'il faut en ingrédients. Là, j'ai pas ce qu'il faut en ingrédients. Ah, ouverture de bonheur des fans. Qu'est-ce donc? Au village Cocorico, en plus. C'est fantastique. Vous avez désormais accès au bonheur des fans. Très bien. Diverses boutiques vous permettent d'acheter et de vendre des matériaux. Chaque boutique vend des types d'objets différents. Ah oui, d'accord. Par exemple, là, il me manque... des queues de lézardos. Yeah. Attends, acheter. Ah oui, d'accord, canne à pêche. Ah, ok, ok. Oh. Ok. Et donc, par exemple, qu'est-ce qui me manquait Donc là, c'est une mission à faire. Ça, il manque des trucs ici. Ah oui, d'accord. Mipha, la princesse Zora. Ah oui, d'accord, on va pouvoir faire ça. Mipha, la princesse Zora. On va pouvoir faire Daruk aussi. Et ça, on peut tout faire, en fait. On peut vraiment tout faire. Écoutez, je pense que ce qu'on va faire, même, c'est qu'on fera ça dans un épisode 2. Puisque là, ça va être la fin de l'épisode 1. Donc on fera ça dans l'épisode 2. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oh, c'est trop cool. Ouais, ça, on fera ça dans l'épisode 2. Donc voilà, n'hésitez pas à liker en masse. Liker en masse l'épisode 1 qui aura duré, du coup, je pense, une heure exactement. Une heure tout pile. Si j'arrive à gérer ça. 1h00. Voilà.